Dans une story Instagram publiée ce vendredi 12 mai 2023, Lily Rose Depp a officialisé sa relation avec la chanteuse et rappeuse Danielle Balbuena, alias Seven O'Shea. Alors qui est-elle? Elles avaient déjà surpris leurs fans en mars 2023. En marge de la Fashion Week à Paris, qui avait comme toujours attiré du beau monde, Lily Rose Depp et Danielle Balbuena, alias Seven O'Shea, avaient été aperçus particulièrement complices. L'actrice de 23 ans partageait alors des selfies d'elle et de la rappeuse américaine, ainsi qu'une photo d'elle en train de s'embrasser, assise à la table d'un restaurant. Bientôt à l'affiche de la série The Idol, aux côtés de The Weeknd, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, encensée par Étienne Dao, ne laisse cette fois plus de place au doute puisqu'elle a officialisé sa relation avec la jeune femme dans une story Instagram partagée ce vendredi 12 mai 2023. Repérée par Kanye West sur ce cliché, Lily Rose Depp et Danielle Balbuena apparaissent en s'embrassant, enlacés. La comédienne avait d'abord accompagné cette photo d'un joyeux 4 mois mon amour, avant de modifier en 4 mois avec mon crush. Mais qui est la nouvelle compagne de la comédienne? Seven O'Shea, de son vrai nom Danielle Balbuena, est une chanteuse et rappeuse américaine originaire du New Jersey. Après un premier projet solo intitulé Glitter, un E. De 7 titres, elle se fait remarquer en participant au morceau Ghost Town dans l'album Y en 2018. Adoubée par Kanye West, elle est d'ailleurs signée dans son label, et par la presse, l'artiste de 25 ans sort ensuite deux albums, Modus Vivendi, 2020, et You Can't Kill Me, 2022. Vous n'avez pas à définir votre sexualité. Certains internautes se sont étonnés de voir celle qui aurait eu des relations avec Timothée Chalamet et Austin Butler en couple avec une femme. Pourtant Lily Rose Depp avait évoqué sa position sur l'orientation sexuelle en 2016. Vous n'avez pas à définir votre sexualité, les jeunes de nos jours ne le font pas et je trouve ça très cool. Si vous aimez quelque chose ou quelqu'un un jour, foncez, et si vous aimez autre chose le lendemain, pas de problème, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Nylon. De son côté, Seven O'Shea déclarait en 2018 sur le site Pitchfork, « Je n'aime pas m'identifier comme gay ou comme queer. » Jamie les filles, CEST tout. Elle était auparavant en couple avec la chanteuse Kehlani. À lire aussi, elle a fait beaucoup de casting où elle n'était pas choisie, Vanessa Paradis monte au créneau pour défendre sa fille Lily Rose Depp, accusée de profiter de son nom.